Salut tout le monde! Et aujourd'hui, on va retourner sur The Ritual Island, un jeu d'horreur que j'ai commencé il y a quelques jours et que j'ai toujours pas fini en fait. Du coup, vu que vous m'avez demandé de le finir, et vu que moi aussi je voulais savoir la fin, après ma déception, après ce long périple dans la neige, fallait que je change un peu d'air. C'est parti! On va reprendre là où c'est qu'on en était la dernière fois. Pour ceux qui ont suivi. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mettrai un petit lien par là, je sais pas, pour revoir la playlist. J'ai fait que 2 épisodes dessus, c'est le 3ème. On est tout de suite parti. Ah oui, voilà! C'était ça, ça y est, je m'en souviens. Fallait suivre Rowenta ou je sais plus comment qu'elle s'appelle. Il me semble que c'est Rowenta, oui. La dernière fois, si vous vous souvenez, moi je m'en souviens, j'avais traversé ce pont là-bas, là. Tac, 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 je m'étais fait attaquer par des espèces de bonhommes un peu déglingués, là. Et c'est parti. On va suivre Rowenta. Rowenta ou... C'était qui déjà? Comment qu'elle s'appelait? Je sais même plus comment qu'elle s'appelait. Wenta ou Marie, je sais plus. Ah oui, on devait aller au phare, c'est vrai. C'est vrai, ça je m'en souviens. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Salut. Notre est passing. Northwest Port Authority. Merde. Non, non, il y a quelques minutes il était ouvert. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ils vont arriver à tout moment. Oui, effectivement, ils étaient derrière. Dans l'épisode précédent. Megan, calme-toi, nous trouverons un autre chemin, crois-moi. Voilà, c'est Megan. Finalement. Bon. Eh bien, faut trouver un autre chemin. J'imagine que... Oh, ça pourrait être... Non? T'es sérieux? Tu sais pas te baisser pour aller dans le feuillage. Et par où je veux passer? On est dans la merde. Bon, je crois qu'on va faire demi-tour. C'est parti. On va essayer de trouver... Ah, bah voilà, non? Ah non. Toujours pas. Attends. Ah, bah c'est contrôle pour se baisser. Non, il n'y a pas moyen. Attends, parce que... En fait, je suis en train de persister par passer par les buissons, mais... oui, bah de toute façon... C'était d'une logique. Voilà. Bon, le jeu, c'est pas un monde ouvert, hein, c'est assez linéaire, donc... Disons que... C'était forcément par là. Ouais, c'est quoi, ça? Oh my god. Oh my god, tu m'étonnes, toi. Oh, les cadavres qu'il y a là-dedans. Ok. On trace par là, ou... Elle me suit? Oh putain, comment? Il y a des bruits chelous. On se casse. On va tracer par là. Allez, go! Suis-moi, Megan! C'est parti! Go, go, go! Non, ok, d'accord. Bon, on va essayer d'aller par là. Parce que bon, le jeu, c'est, il est peut-être pas en monde ouvert, mais... Bah, comme vous le voyez, il y a peut-être moyen de se perdre par moment. On va forcément trouver un moyen de... Saloperie, va. Oh, putain. Ok. Bah, vas-y, hein, de toute façon, faut que j'aille là-bas, hein. Non? Bah, je pense, hein. Vas-y, ouvre. Ouvre. Fais quelque chose. On se casse. On se casse, on se casse. Ok. Oh, regardez-le, il est... Non, non. Il est pas tant bloqué que ça. On se casse de là. On va trouver un autre chemin. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ok, ça s'est calmé derrière. Ouais, ça s'est calmé. Bon, bah, on va essayer de faire demi-tour et puis passer par la gauche pour voir. Je vais essayer, bien sûr, ici. Ouais, c'est bloqué. Ça, c'était à s'en douter. Tu suis Megan? Elle suit, c'est bon. Ouais, donc c'est toujours en fait ces espèces de... Bah, de bonhommes qui ont l'air de sortir d'une secte, on dirait un peu. Ils ont des espèces de capuches sur eux et tout. Et en fait, de toute façon, c'est ça, hein, c'est une secte hein, qu'il y a sur l'île, là. C'est un truc de fou, regardez ça. Je l'ai vu dire avec lui. C'est qui va me faire chier parce que ça se trouve c'est là que je dois passer. Merde, comment que je peux faire? Oh putain! Dégage! Dégage, dégage! Mais allez, mais saute là! Putain, sérieux!
Oh, vas-y! Fail. Allez, cette fois-ci, j'ai pris un autre chemin, c'est parti. On va bien finir par la trouver, cette entrée. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où? Elle est là. Ah, bah, c'est encore elle. Hein. C'est encore elle. Hein. Y a pas moyen de passer à côté, là? Mais vas-y, mais... Elle est en train de me bloquer aussi. Bon. C'est parti. Ok, donc pour moi, l'entrée, elle est là. Hein. Elle est pas ailleurs. Mais ouais, mais lui, comment... Vas-y, vas-y, on se casse. On se casse. Je vais me casser de là. Je vous assure, des fois, je sais même pas où je vais là-dedans. Ah, bah attendez. Et ici? J'ai pas été. Elle suit Megan là? Ouais. Putain, comment qu'elle fout les boules, elle, à chaque fois que tu te retournes? C'est un truc de fou. Ah, bah voilà! C'est macabre. D'ailleurs, la petite musique n'annonce rien de bon. C'est une putain de quoi? Où elle est? J'ai pas vu, c'est une putain de quoi? C'est sûrement une putain de maison. Oh, comment que c'est chaud. Ici, elle devrait être ici. Ah oui, c'est vrai. On cherche Rowenta qui s'est enfermée dans le phare, un truc comme ça. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça doit être ouvert. Vas-y, ouvre. Non? Qu'est-ce qu'il y a? C'est fermé? C'est pourtant vrai. Ah, Rowena! Oui, c'est pas Rowenta. Oui. Rowena, voilà. Rowenta. Rowenta, c'est une marque d'aspirateur, en fait. Non, ok. Donc, à mon avis... À mon avis, ça n'annonce rien de bon là-dedans. À mon avis, on doit chercher une clé. Je pense... Oh, comment que ça a l'air macabre là-dedans. Oh, ça doit être ouvert là. Non, même pas. Petit point de sauvegarde en haut à gauche. Doit forcément y avoir un moyen de monter quelque part ou... Doit forcément y avoir un moyen de rentrer, c'est pas possible. Comment que ça se passe? Je suis bloqué là-dedans, là. Ça y est, c'est fini. Ah bah oui, ok, d'accord. Par là, oui, effectivement. C'est par là que je suis arrivé, c'est par là que c'était fermé. D'accord. Ok, ah, regardez. Ah, vous voyez, quand on se recule un peu, on y voit déjà un peu plus clair. Elle est où, Megan? Elle est là, mais elle... Elle, elle fout les boules à chaque fois. Ah bah attendez. Bah faut peut-être monter sur les caisses. Ou alors faut la pousser, non? Ah! Vous pouvez pas le dire plus tôt? Petite cachotière. Ah bah voilà! Là c'est bon. C'est parti. Ok, bon bah là du coup ça doit être ouvert. Forcément. Si tu me dis que c'est fermé. Détruis cette pute. Ouh putain. C'est grossier. Je te déchirerai en morceaux. Je te déchirerai en morceaux, bordel. Rowena, bloque leur entrée. Ouais. J'y vais. Ah oui. Ok. J'y vais. Vas-y, c'est parti. Là. C'est bon, stop. Ok. Soit tu me laisses entrer, soit je te brûle en morceaux par morceaux. Laisse-moi entrer. Eh, hey, comment ils sont violents? Tout ce que je sais, c'est que nous pourrons pas sortir où nous sommes entrés. C'est que nous pourrons pas ouvrir la porte principale. Oh! Oh, mais c'est dégueulasse! Je vais vous étriper les deux quand je vais entrer. Oh, c'est dégueulasse! C'est atroce, quoi!
Je vais me casser parce que je sens qu'il va rentrer. Non, ça va, tranquille. Je vais moins faire le malin quand il va rentrer. C'est quoi ça? Ok, des bûches. Une cheminée. C'est quoi ça? D'accord. Ah bah je peux peut-être... On peut peut-être sortir par là en fait, non? Ah non. Ok, d'accord. Ok. C'est tout, c'est bon? Ça y est? À mon avis, il faut que je trouve la clé. Naturellement, elle est bloquée. Oui. Il doit y avoir une clé dans le coin. Cherche avec moi, vas-y. Cherche, cherche. Il y a forcément... Ah bah là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Putain, salopard. Il est rentré. La mort n'arrivera pas rapidement pour vous. Elle arrivera peu à peu. Waouh. Je me casse. Vas-y, vas-y, ouvre, ouvre. Allez, vas-y. Tu penses que te cacher te sert à quelque chose? Je sais pas. Moira, je le sais. Je ne veux pas mourir. Je le sais. Mon frère est là dehors. Nom de Dieu, laisse-moi résoudre ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi ce délire? Une tête de... Une tête de ça? Des fenêtres? Fire, fire, spirit. Et puis ça? J'ai rien compris. On va se concentrer. Il y a forcément un truc à faire là-dedans. Forcément. Ok, d'accord, ça c'est bon. Forcément un truc à faire. Là, ça. Attends. Ça, d'accord. Ça, après ça va là. Et ça. Il y a des trucs accrochés, vous voyez, il y a des espèces de verres là. Ah bah attendez. Ah bah non. Forcément. Mais qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont sérieux? Faut faire quoi là-dedans? Et tu veux pas m'aider, Megan, des fois, là? T'as pas une petite idée, non? Parce que là, comment dire, je suis un petit peu... Je suis un petit peu dans la merde, tout simplement. J'ai envie de dire... Attendez, mais c'est quoi, ça? Firme. 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 En fait, il y a des lettres dans le désordre, des fois. Skiri... Il y a forcément... Il n'y a pas un truc à faire avec ça, là? Je suis bloqué. Je ne sais absolument pas... Ah, bah attendez. C'est quoi, ça? Bah non, c'est rien. Je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Je n'en ai aucune idée. Tu peux pas ramasser... Ok, ça, il n'y a rien. Je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec les crânes, là. Il y a forcément un truc à faire. Y a... Pourquoi il y a un couteau dans celui-là? Est-ce que je peux le ramasser? On va y arriver. Ok, après moultes et moultes recherches dans cette pièce, il se trouve qu'en fait, il y avait une trappe. Juste là. Voilà. Et ne me dites pas que je me suis servi de Google pour la trouver. C'est pas vrai. Un petit peu. Allez, c'est parti. On continue. Non mais... C'est quand même pas une trappe qui va m'arrêter, non? Toi, tu vas me sauter dessus. Non? Oh, salopard. Genre... Ah, bah voilà. Vous avez vu? Je vous l'avais dit qu'on allait y arriver, je vous l'avais dit. C'est pas vrai. Ah, bah voilà. Chapitre 4, The Water Sacrifice. Autrement dit, le sacrifice de l'eau. Ah, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Plus de piles. Bien sûr. Je suppose que tout serait trop facile en ayant de la lumière. Vous me supplierez de mourir, supplierez. On se casse. On se casse de là. C'est parti. Allez, suis-moi, Megan. Traîne pas en chemin. T'as regardé ça, comment que c'est lugubre, c'est macabre.
Tu te vois en vrai perdu sur une île comme ça? Quand je te trouverai, je te détruirai. Il vaut mieux partir. Tu m'étonnes. Putain, il est derrière. Allez, viens! Regardez-le, le salopard. Il est derrière, il est là-bas. Allez, allez! Vas-y, cours! Allez, go, c'est quoi ça là-dedans? Oh, une cassette. Ça, par contre, je prends. Allez, mets-la dans ton petit dictaphone. Dis-nous ce que t'as à dire.